Doing Business 2014, la Côte d'Ivoire fait un bond de 10 points. De 177e, la Côte d'Ivoire passe au 167e rang sur 189 pays. Les moteurs de cette performance en un an, 4 réformes. La réduction sensible de la durée de création d'entreprise de 6 mois, on est passé à 48 heures. Réduction des frais notariés, 600 000 francs avant, 200 000 francs aujourd'hui. Réduction du délai d'obtention du permis de construire. La création du tribunal de commerce. Une performance jamais réalisée depuis 2004, date de la diffusion du premier rapport. C'est pourquoi M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a salué les partenaires de développement, singulièrement la SFI, Société Financière Internationale, qui n'a ménagé aucun effort pour outiller la Côte d'Ivoire, la mettre sur la voie des réformes judicieuses. Seulement voilà, les PME, petites et moyennes entreprises, restent encore fragiles sur la question. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, annonce là aussi des réformes. Le fait qu'on ait une amélioration dans le climat des affaires de Côte d'Ivoire, c'est une avancée positive forcément pour les PME. Les PME attendent plus d'accès au financement, une part importante des marchés publics. Et là, il va falloir attendre la loi sur les PME, tout le programme des PME que le gouvernement est en train de déployer à l'avantage des PME. Des réformes qui permettront certainement de faire d'autres bons significatifs en 2015.